me cherchais et je voulais me distinguer. On va dire que c'est quelque chose, le fait de se distinguer, ça fait aussi partie de moi. J'aime pas être comme tout le monde. À l'époque, oui, j'étais punk, je traînais un peu partout, mais c'était surtout que je savais pas où j'allais, je savais pas tellement ce que je voulais faire, et puis je pensais pas que j'étais capable de faire quelque chose de bien. Donc ça m'a donné une confiance en moi, voilà, pas négligeable pour le futur. Je pratiquais le kung-fu loisir dans un gymnase de banlieue, voilà. Quand je me suis inscrite, j'ai tout de suite voulu faire un peu de compétition. C'était surtout des tao, des formes avec des armes, des épées, les nunchaku, tout ça, ça me plaisait bien. Je m'y croyais vraiment, je me disais, ah ouais, je suis super forte, je fais des coups qui tuent. Et puis un jour, je suis allée à un cours de boxe française et puis j'ai vu que mes coups ne tuaient personne et que j'avais des bleus partout et que là, qu'il allait falloir que je change de méthode. J'ai toujours eu le sentiment d'être toute seule dans la vie, mais justement le sport m'a appris plein de choses qu'en fait on peut jamais. Je me suis toujours dit que j'allais arriver à tout toute seule, que voilà, que je devais rien à personne. En fait, le sport t'apprend que tu n'arrives à rien toute seule et que tout le monde t'apporte quelque chose et que maintenant qu'on m'a apporté des trucs, je peux aussi moi apporter et qu'en fait on n'est pas seul. J'ai choisi un sport individuel quand même, donc c'est vraiment être face à soi-même. Moi, quand je monte sur un ring, je suis toute seule, je ne suis pas contre quelqu'un, je suis contre moi-même. Je cherche un peu pour moi, c'est une quête de vérité, me chercher, me trouver, me perdre. Moi, j'adore taper dans les pao. C'est surtout la percussion qui me donne des sensations. Dans mon sport, je préfère l'entraînement et l'après-combat. L'entraînement, c'est tout ce qui va être de travailler, voir ce qui est efficace, enfin travailler pour que ce soit efficace. Le combat, moi, je ne suis pas satisfaite de mes combats, donc j'ai pas de souvenirs satisfaisants de mes combats, donc en général je les oublie, je les regarde pas et je les oublie. Et après combat, ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, ce qui n'a pas marché, etc. et de retravailler ça. Le retour à la compétition m'a pas spécialement manqué à ce moment-là. J'avais fait 4 mois ou 5 mois avant un championnat en boxe thaï juste pour en fait les sensations, et c'est, en fait, c'est là où je me suis le plus exprimée, c'est là où vraiment ça m'a fait du bien de pouvoir frapper à pleine puissance sur une personne qui était consentante et entraînée. Mais au PFC, c'était plus, on va dire, quelque chose que je voulais faire avant de peut-être m'arrêter complètement et de le faire avec Jean-Marie et Loïc, ensemble. Voilà. Pour un peu, pour les remercier de tout le parcours et que j'ai fait grâce à eux. Je doute beaucoup, comme tous les sportifs qui font de la compétition, mais le sport me balance vraiment, m'équilibre vraiment dans tout ce qui est négatif. Je le sors sur un sac de frappe, je le sors en me donnant des objectifs. Voilà. Je le transpire, j'évacue. Je me dis, oh merde, je serai certainement jamais championne du monde. Ça m'embête un peu. Mais c'est la période qui veut ça. Je suis arrivée dans le MMA très tôt et je suis quand même contente d'être arrivée quand c'était le début. Mais c'est vrai que maintenant, ben, ça fait, voilà, j'ai plus l'âge, j'ai plus toute l'envie d'avant. On a tous, de toute façon, un côté agressif et on est des êtres humains, on est des animaux. Et cette part agressive, j'ai réussi à la convertir en quelque chose de positif et qui a changé ma vie et ma personnalité aussi. Des fois, j'ai envie d'appliquer certaines techniques que j'ai vues, j'ai envie de voir si ça peut marcher. Alors je provoque, ça marche jamais. J'ai jamais eu l'occasion de me battre et on va dire tant mieux quand même. J'ai dans l'idée d'amener un peu plus de filles dans les sports de combat.
dans l'effort, dans cette vision-là. Et donc, en fait, là, j'ai ouvert une section au Cajine depuis septembre de fitness box. J'ai appelé ça fitness box pour que ça fasse pas peur aux filles, justement. Mais voilà. Donc, en fait, je donne des cours de boxe pieds-poings, mais en association avec du fitness. Donc, en musique, c'est des chorégraphies, mais je termine par du travail de pao. Et puis les formes que je donne à faire sont des vraies formes, donc du coup c'est pas du body combat avec des faux mouvements, c'est des vrais mouvements. Et puis les filles qui en général viennent d'aucun sport, et ben là elles commencent à se poser des questions sur le MMA, tiens ça serait bien qu'on fasse ça et tout ça. Donc en fait petit à petit, en enlevant le côté un peu brutal, un peu rude, un peu masculin de la boxe ou du MMA, j'amène ma petite musique sympa. J'ai un grand sourire, je montre mes petits muscles, mais pas trop pour pas faire peur. Et en fait, au bout de 3 mois, les filles, elles envoient des middle comme des boxeuses, quoi. Et donc ça, je suis très contente de ça. En France, il n'y a toujours pas beaucoup de filles. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Au Japon, il y en a beaucoup. Il y a un circuit qui commence à venir. Donc je pense que, effectivement, après le public, est-ce qu'il répondra présent? Je ne sais pas, parce que les hommes, vous êtes compliqués. Vous aimez les femmes, mais il faut pas qu'elles se battent, faudrait pas qu'elles aient le nez cassé. J'ai vu les premiers UFC avec tant qu'à bottes et les trucs comme ça, j'ai fait non mais ça va pas, c'est quoi ce truc? Après j'ai vu Sakuraba, toute la mise en scène que les Japonais mettent derrière, comment ils présentent ça, la façon dont c'est filmé, l'esthétisme du combat, le côté style contre style avec pour une fois quelqu'un qui se prenait pas au sérieux, enfin qui avait un style rigolo et qui tentait plein de trucs et puis qui fonctionnait, ça m'a vachement accroché, le côté fun aussi du côté dur. Je suis partie au Japon en 2004 je crois, je suis pas très forte dans les dates, 2004-2005, un truc comme ça. Et ouais, je suis partie parce que justement, je m'entraînais beaucoup, il n'y avait rien pour moi ici en France, donc j'avais envie de vivre le truc à 100%. Donc comme j'aime bien voyager en plus, c'était vraiment pas un sacrifice que de partir de France pour aller m'exiler à Tokyo, il y a quand même plus dur comme endroit, quoi. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé un club tout de suite avec de très bonnes personnes, donc je suis restée là. Et c'était une seconde famille, c'était super. À refaire, je le referais. Au Japon, c'est l'entraînement tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps le sport. Il n'y a pas de... Justement, j'étais 100% TV sport et c'est devenu trop un moment. Donc, j'ai combattu, je voulais vite rentrer et voilà.